évolue. Hein. Madame, monsieur, bonsoir. Je suis Serge Tallier, rédacteur en chef du journal Le Progressiste, et j'ai l'insigne honneur de remplacer notre globe-trotteur chéri, Manon Granier, pour cette nouvelle émission du Kiosque. Autour de moi, deux chroniqueurs reconnus et passionnés. J'allais dire pas toujours de bonne foi, mais bon, c'est pas grave. Michel Brochy, rédacteur en chef du journal Justice hebdomadaire du Parti communiste. Bonsoir, Michel. Bonjour à toutes et à tous. Et très heureux d'être sur ce plateau pour commenter l'actualité. Et Eddy Marajo, patron de presse, observateur multicarte. Bonsoir, Eddy. Bonsoir et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent depuis tant d'années. Et ce soir, deux invités. Mais oui, c'est vrai. On profite, hein, nous, les parents, on a fait tout le monde. Gilbert Pagot, du groupe Révolution Socialiste, historien reconnu, rédacteur de la revue digitale Révolution Socialiste, dont le numéro 57 est en ligne sur les différents réseaux. Bonsoir, Gilbert. Bonsoir à tous les auditeurs, toutes les auditrices. Voilà. Et à vous, bien entendu. On l'a même à l'antenne. Et Olivier Ernest Jean-Marie, qui se définit comme citoyen cultivant liberté et bienveillance, ouvrier de l'intelligence collective, auteur de, alors c'est ça, Grand Tiers, Grand L'Esprit, également de d'autres œuvres, Contribution citoyenne 2016-2018 et Sortir de la pyramide hiérarchique. Bonsoir Olivier. Bonsoir tout le monde, bonsoir la Martinique. Voilà, il y a du monde ce soir, il faudra que j'arrive à gérer, je ne sais pas si je pourrai, mais bon. Kirk et Macron sont les visiteurs du jour. Le président de la République est arrivé avant la tempête tropicale. Je suppose, messieurs, que vous en avez beaucoup à dire. Je fais exprès, je commence par Michel Bonchy. Impression, Michel, après cette journée au pas de course. J'ai le sentiment que les mobilisations, les critiques de la politique ultralibérale de Macron, à travers ce propos, même s'il ne le reconnaît pas, en impact. Mais cela dit, ça ne modifie pas du tout fondamentalement la trajectoire, la philosophie de cette politique. J'en veux pour preuve, par exemple, que, bon, on a pu arracher 40 millions pour l'hôpital, par exemple. J'ai eu le président Lise au téléphone qui a assisté à l'entretien et qui m'a fait un petit compte-rendu de ce qui s'est passé. Par contre, il m'a dit la chose suivante, c'est qu'il y a un retour d'une manie qui existait il y a peut-être 30-40 ans, c'est d'essayer d'opposer les départements, les d'outre-mer, les uns aux autres, en particulier sur la question de l'hôpital, de dire voilà, il a dit j'en ai marre de voir un hôpital normal, CHU, c'est 2,5 millions. Il s'est trompé, c'est pas 2,5 millions, c'est 1,5 million. Bon, bref, un CHU normal, c'est 2,5 millions d'habitants. Par conséquent, c'est pas normal et il faudra qu'on s'arrange pour que les deux centres hospitaliers ne se concurrencent pas de manière. Alors, sur le principe. Okay. Bon, donc on commence par l'hôpital, Gilbert. Bon, je sais que le GRS fait partie des collectifs pour l'hôpital, je ne sais plus le nom, mais ça ne fait rien. Les 40 millions, sérieux, c'est une goutte d'eau. À mon avis, surtout qu'on connaît la dette telle qu'elle existe et on sait comment toutes les mesures qui sont prises d'économie. Hein, bon, l'histoire de l'hématologie, bon, c'est vrai, il n'y a pas de médecin, dit-on, mais enfin, en même temps, c'est une politique d'essayer de supprimer un certain nombre de services précisément pour aller dans le sens de soi-disant la commutualisation entre les différents hôpitaux de la région. Il y a déjà cet élément. Pour faire, dit-il, de l'excellence, mais bon, je ne veux pas qu'on parle de l'hématologie, est-ce que c'est seulement le manque de médecins ou est-ce que là, le manque d'argent, ou est-ce qu'on n'arrive pas dans le fameux numerus clausus dont nous avions déjà parlé? Parce que la France elle-même manque de spécialistes en hématologie. Bon, je ne sais pas, la question est tellement vaste et tellement complexe, celle de l'hôpital de Morgoville-Saint, plus Trinité, plus Zobda-Kittmann, en fait, ce qu'on appelle le CHUM aujourd'hui, parce que les trois hôpitaux ont été fusionnés. C'est pas ici qu'on va pouvoir, et ni même Macron, pouvoir régler la problématique. Hein. C'est des décennies de laisser-aller, à la fois de l'État, des politiques locaux, des syndicats,
des médecins, en fait, de toute la communauté hospitalière. Ça appartient au passé, ça. C'est pas un truc récent. Donc, c'est pas en deux minutes qu'on va... Et c'est pas avec 40 millions... Ah non, 40 millions, ça va servir à payer très rapidement les fournisseurs. Quelques fournisseurs, voilà, quelques fournisseurs depuis 2 ans. Ben ouais, il y a 150 millions de dettes fournisseurs. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut... C'est 40 millions qui vont disparaître rapidement et puis qui vont permettre d'avoir très rapidement un certain nombre de... Des seringues et du Doliprane. Ouais, et puis des gants. Olivier Jean-Marie, quel regard sur cette partie-là, sur alors, l'hôpital, l'hôpital, disons. Ce que j'ai compris, c'est que les 40 millions, c'est pas seulement pour la Martinique, hein, c'est pour la Martinique et la Guadeloupe. Oui, alors c'est ça. Cette logique de mutualisation. Oui, tout à fait. De mutualisation qui est une mesure de rationalisation. Non, les 40 millions, il y a une réunion en cours, là. Enfin, bon. Il faut quand même savoir que l'État français, ça a été un gain d'Ursulé. L'État français met sur la table pour la Martinique seulement 100 millions par an sur les... Enfin, ça a commencé il y a quelques années jusqu'en 2020, je crois. C'est en dehors du budget normal. Pour rattrapage. Oui, rattrapage. C'est 100 millions supplémentaires chaque année. Donc c'est... Les 40 millions vont venir en plus, parce que malgré les 100 millions, il n'y a pas suffisamment. Ouais. Donc, pour moi, Macron est arrivé ici dans une logique de rationalisation budgétaire, faisant fi un peu des questions humaines. Quand il parle donc de mutualisation des compétences et des spécialités entre la Guadeloupe et la Martinique, parce qu'on sait très bien que aller visiter donc sa famille en Guadeloupe ou en Martinique, ça se fait pas aussi rapidement que dans l'Hexagone. À 200 euros l'aller-retour, oui, en moyenne. Il faut trouver un hébergement, donc c'est un peu compliqué. Donc, de façon très très froide et très technocratique, il a déclaré donc la mutualisation, qui est, je pense, quelque chose qu'il faut étudier, qu'il faut évaluer. Mais le citoyen ordinaire que je suis est dit, moi, je voudrais bien savoir, mais où en sommes-nous de cet hôpital-là ? Donc les responsabilités sont partagées, mais à quel niveau ? Qui est responsable de quoi ? Comment on a évalué l'action de l'État, l'action des élus locaux, des syndicalistes ? Où en sommes-nous et qu'est-ce qui va éviter que cette situation-là perdure ? La réponse vient du collectif Choumdouvandouvan, voilà, dont Gilbert est probablement membre, il faut le rappeler. La réponse est claire. Il y a une transparence totale. Ils disent aujourd'hui, grosso modo, nous sommes les Martiniquais. Hein, nous sommes responsables de 30% environ des problématiques. L'État français est responsable de 70%. Et exactement, ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Le problème maintenant, c'est quelle posture on adopte. Est-ce qu'on attend que les 70% soient réglés pour que les 30% soient attaqués ? Mais il y a une co-responsabilité sur des niveaux qui sont différents. Mais très clairement, la faute première et majeure est celle de l'État français, qui a délaissé, volontairement, involontairement, on n'en sait rien, qui a délaissé un instrument de développement économique, parce que l'hôpital, c'est d'abord un instrument de développement économique. Et c'est le premier employeur de l'île, c'est le premier budget de dépenses d'un organisme public, parapublic ou privé. C'est le numéro un. Et c'est surtout quelque chose que le politique français ne comprend pas, et il faut le lui rappeler, c'est que, au même titre que l'électricité, que les télécommunications, que l'essence, que le port et l'aéroport, l'hôpital et la santé est stratégique. Parce que nous ne pouvons pas avoir recours à une solidarité immédiate. Et bien au contraire, nous servons, nous, de solidarité immédiate, puisque, regarde, l'hôpital de Pointe-à-Pitre a brûlé, et nous avons accueilli des gens, nous avons été solidaires. Les gens de Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont aussi venus. Donc, s'il y a une grosse catastrophe en Martinique, c'est pas maintenant que Pointe-à-Pitre va pouvoir nous accueillir. Mmh. Et nous ne pouvons pas aller à 200 km. Le type qui est à Colmar et qui a un problème majeur, eh ben, il va un peu plus loin. À Strasbourg. À Strasbourg ou à Nancy. Donc, c'est d'abord et surtout
une mauvaise gestion politique de l'État français. C'est clair. Donc l'élément démographique de 1,5 million pour qu'il y ait un CHU, ça ne tient pas. Non, ça ne tient pas pour plusieurs raisons. Tu ne peux pas appliquer les mêmes statistiques de la France à celle-ci. Tout à l'heure, il parlait de 2,5 million ou 1,5 million. Moi, quand tu as trois territoires dispersés, sans compter Marie-Galante et les îles du Nord, c'est-à-dire Saint-Martin, Saint-Barthélemy, tu ne peux pas appliquer les statistiques. Il faut 1,5 million. S'il faut 1,5 million, vous n'allez rien mettre à Saint-Barthélemy, sur 8 000 habitants. S'il faut 1,5 million. Non, mais même si on met tout le monde ensemble, ça ne fait pas 1,5 million. Mais non. Donc, non, c'est pas possible. Il y a des réalités dispersées. Il y a les îles du Nord, il y a Marie-Galante, il y a la Guadeloupe, il y a la Martinique, et il y a même la Guyane. Même si la Guyane peut commencer à rêver d'un destin uniquement sud-américain depuis une certaine montée démographique. Il serait pour l'indépendance de la Guyane que ça ne m'étonnerait pas. Ils l'auront peut-être avant nous. Bien. Bon, comme il y a plein de sujets, donc on ne va pas rester trop. Olivier et Jean-Marie, l'abattement fiscal, voilà, ça m'a fait plaisir à Michel. Mais oui. Bon, ce fameux abattement fiscal, où il y a des gens qui m'ont rencontré et dit, t'as les barres, on prend rien dans l'affaire abattement fiscal là. Mais alors moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je ne vais pas me faire que des amis, mais je pense que c'est très bien. Donc j'ai commencé par celui qui fallait. Je vois 96% d'amis, c'est pas mal. Oui, voilà, c'est ça. Non, je trouve que c'est une bonne idée. La seule chose qui me gêne un peu, c'est qu'en fait, ce qui est prélevé ici est redistribué sur l'ensemble de l'outre-mer. Donc si on régionalise, parce que bon, il régionalise un petit peu cette mesure-là, parce qu'elle concerne l'outre-mer, et il est réparti sur l'ensemble de l'outre-mer. Moi, j'aurais conseillé, parce que je pense que c'est une mesure qui va passer, compte tenu de la majorité que ce gouvernement-là a à l'Assemblée, ça va passer. Moi, mais j'aurais conseillé à mes parlementaires de négocier un droit de regard et même une affectation, que ceux qui soient justement collectés en Martinique soient réaffectés en Martinique. Et je pense que, et même, j'irai même un peu plus loin, parce que moi je suis partisan donc des budgets participatifs, qui figuraient d'ailleurs dans le programme d'Emmanuel Macron, hein, qui disait qu'il voulait mettre en place des budgets participatifs donc pour les communes. Et je pense qu'il faudrait même associer la population justement à l'affectation de ce fonds-là sur le territoire martiniquais. Mais que ceux qui gagnent plus paye plus, pour moi, ça me semble logique. Quoi. Ça ne me choque pas. Comme Michel Bonchy a amené sa feuille d'impôt, c'est normal. Oui, alors, vous ne seriez pas surpris que je ne partage pas du tout cette analyse. Et je récuse d'ailleurs les éléments de langage, ça s'appelle comme ça, hein, les éléments de langage qui sont sortis de Bercy pour permettre à Macron de faire accepter cette mesure qui... Alors, c'est facile de dire que ce sont les plus riches qui vont être frappés. C'est faux. C'est faux. Pour la raison simple, sauf si il y a des mesures, d'autres mesures qui ne sont pas exposées. Moi, j'ai le dossier, alors je vais vous le montrer. J'ai le dossier du ministère de l'Outre-mer. Bon. Alors, à partir du moment où toute chose égale par ailleurs, vous diminuez le montant du plafond de l'abattement fiscal. Alors, il faut quand même donner, hein, puisque il faut quand même donner quelques explications à nos auditeurs pour qu'elles comprennent. Pour qu'ils comprennent. Alors, c'est pour ça que j'ai amené ma feuille d'impôt. OK ? Bon. Ça, c'est de la transparence. Oui. S'ils nous donnent les vrais chiffres, c'est bon. Bon. Alors, déclaration 2, c'est moi-même et madame moins. Bon. Alors, il y a le revenu brut global. Tu as le revenu imposable, c'est la même chose, parce que nous sommes tous les deux retraités, donc il n'y a pas qu'à échapper. Bon. En plus, retraité de l'État. De l'État, ouais. Bon. Impôt sur le revenu soumis au barème, alors le barème, il est progressif, et c'est précisément là la situation. C'est en fonction du revenu. Voilà. Autrement dit, la redistribution, elle existe déjà. Attends, précise que ça, c'est valable sur tout le territoire français. Jusque-là, c'est tout le territoire français. Autrement dit, donc, et le principe de la progressivité,
de l'impôt. J'avais un camarade inspecteur des impôts, Yves Hollot, qui était un communiste, un vaillant communiste, mais qui était inspecteur des impôts, et qui me disait tout le temps que c'est en 1910 qu'en France, avant beaucoup de pays, on a adopté la progressivité de l'impôt. Et que jusqu'ici, la droite et les partis de droite se battent contre ce principe pour revenir à l'impôt proportionnel. Explique-le. Alors, progressive, ça veut dire que les revenus sont classés par tranches. Les gens parlent, j'ai changé de tranche, on m'a changé de tranche parce qu'on a baissé le seuil, etc. À chaque tranche correspond un taux d'imposition qui augmente au fur et à mesure, autrement dit. Et donc, la progressivité existe déjà, donc la redistribution. Le fait que quand tu gagnes plus, on prend plus sur toi pour redonner aux autres, elle existe déjà. Donc, quand tu diminues l'abattement, toute chose, je le répète, toute chose égale par rapport à ce que tu fais. C'est quoi un abattement ? Alors, l'abattement. Alors, il y va. À partir de là, on te dit, voilà, vous allez payer tant, suivant le barème. Appliquer le taux. Boum. Et puis, sur ça, on te dit, moins 30%. Comme vous habitez en Martinique, c'est 30%. Si vous habitez à Mayotte c'est encore plus et 60. En Guyane, c'est moins 40%. Ouais. Mais déjà, l'État français avait déjà commencé à rogner. C'est sous Sarkozy qu'ils ont fait ça. Ils ont mis un bagage, ils ont dit, bon, on va mettre un plafond. C'est-à-dire qu'on vous donne l'abattement, mais si l'abattement vous donne plus que 5 100 €, ça vous ne pouvez pas retirer plus que 5 100 €. Et qu'est-ce qu'il met ? Eh bien, il met, eh bien, je vous donne le chiffre, 2 000 €. Donc, il diminue de moitié, d'un seul coup, l'abattement. Donc, ce qui fait que l'effet de cette mesure va nécessairement augmenter l'imposition de chaque individu. Et puis, ça peut aussi faire passer certaines personnes d'une tranche à l'autre. Autrement dit, des gens qui n'étaient pas imposables vont se retrouver imposables. Donc, le raisonnement comme quoi c'est une réforme progressiste. Parce que c'est ça qu'il dit. La présentation, c'est une réforme progressiste qui diminue l'injustice fiscale. C'est faux. Il a utilisé. C'est faux. Et Gilbert, il a utilisé le terme. C'est une arnaque. Juste. J'ai noté, parce que j'avais ma fiche quand je préparais l'émission, pendant qu'il parlait. Et il a dit, c'est une mesure juste. Parce qu'il y a une diminution du plafond pour les 4% des plus riches. Il va même plus loin. Exactement ce qu'il a dit. Il va même plus loin. C'est là vraiment l'abus de langage. Une mesure de solidarité en faveur de l'égalité et de la justice sociale. Ouais. Bon, ouais. Et toute la politique de Macron, c'est ça. C'est le Code du travail, c'est pour donner des emplois. Je ne vais pas, me laisser parler. Juste ou pas, juste. Je rejoins Michel. Il est enthousiaste, Michel. Michel sur un certain nombre de points. Mais je veux surtout ajouter dans cette discussion qu'on a tort de croire qu'il y a de la justice et qu'on impose les plus riches. Ce n'est pas vrai. On accorde plus de 70 milliards de dégrèvements aux très très riches. Or là, on nous prend 70 millions qu'on dit qu'il va être réparti. Surtout l'outre-mer. Surtout l'outre-mer. Pour moi, d'abord, ça c'est une première inégalité réelle. À savoir le fait qu'on donne des milliards, le fait qu'on aux plus riches, qu'on dégrève, etc. Et tout ça, moi... Ça me paraît être... Et alors, il y a cela, mais il y a surtout toute ce qu'on appelle la doxa libérale qui existe. Et en particulier, un article que j'ai lu avec beaucoup d'attention, parce que j'attends d'avoir le bouquin qui est sorti hier en France. C'est le bouquin d'Agnès Molinier, Agnès Verdier-Molinier, qui s'appelle « En marche pour l'immobilisme », où elle explique... Elle est macroniste, mais elle est macroniste déçue, parce qu'elle trouve que Macron n'est pas allé assez loin, que Macron, par exemple, n'a pas diminué assez les emplois, que Macron n'a pas pris tout de suite une mesure pour repousser l'âge de la retraite, que Macron n'a pas fait assez vite pour mettre l'autonomie dans les hôpitaux, les écoles, les collèges. Que Macron ne va pas assez vite
pour ne plus... Alors, il dit, Macron a fait une petite chose. Par exemple, l'ISF, il l'a diminué de 2/3. C'est bien, mais normalement, ça aurait dû être tout. Hein? Enfin, bref, il y a toute la description de cette politique libérale, parce qu'elle a, dans le cabinet de campagne, hein, elle a subi tout ça. Et moi, je crois qu'il ne faut pas qu'on se laisse tromper par cela. Alors, il y a autre chose que tu as dite qui me gêne. Ça me gêne ou ça ne me gêne pas, mais je vais expliquer, parce que c'est contradictoire. Ou les gens estiment qu'ils sont dans un système d'outre-mer. À ce moment, il faut accepter la solidarité, que l'argent soit réparti. Ou on estime qu'on a plutôt une position nationaliste nationale, où chacun se bat pour son territoire, mais à ce moment, on ne se bat plus pour dire « mais nous, vous nous donnez tant ou tant ». Non, c'est à nous de décider sur qui on va faire. Je veux dire que là, il y a une contradiction là, qui me paraît assez importante. Je t'ai écouté avec attention, comme d'habitude. Je lis d'ailleurs ce que tu écris aussi avec attention. Mais moi, je crois qu'il ne faut pas se laisser tromper par la politique de Macron, qui est une politique ultra-libérale, et il veut y aller. Alors, son problème, c'est qu'il n'arrive pas à aller assez vite. C'est ça. Parce qu'il y a les syndicats, parce qu'il y a quelques manifs. Bon, ce matin, il y avait que 200 personnes pour parler des sargasses et tout ça. Alors, il y avait Kirk. On peut dire que peut-être que ça gênait. Bon, il n'y a pas suffisamment d'opposition, mais c'est une politique où il décide de mettre un frein à cela. Alors, bien sûr, après moi, va parler Marajo, qui va dire au contraire, mais je pense avoir déjà démenti tout ce qu'il va dire déjà. Alors, on n'a plus besoin de moi, parce que on se passe la parole. Mais c'est bon, c'est très bon. Comme Gilbert, tu as remarqué que Gilbert, tout à l'heure, j'ai dit des choses qui allaient dans son sens. À aucun moment, il ne m'a remercié. Hein. J'ai attaqué l'État français sur l'hospitalisation. Il n'a jamais dit « Ah, Marajo, ni raison ». Mais par contre, il ne pourra même pas les dire. Non, mais vos taquineries... J'ai dit que... Bien. Bon, il faut rappeler des chiffres. 10% de la population française paye 75% de l'impôt national. Alors, si là, il n'y a pas un problème d'injustice, c'est pour taquiner Gilbert... On est dans Kafka, on est dans la folie la plus absolue. Donc, l'essentiel de la contribution de l'impôt sur le revenu en France, en raison même de la progressivité, est géré, entre guillemets, par les plus riches. C'est ça la réalité. Or, donc, ça veut dire en clair que l'impôt sur le revenu en France est le plus mauvais impôt qui soit. Okay? Ah bon ? Oui. Non pas sur le principe. Il est bien, mais la façon dont il est géré. Est-ce qu'on peut penser sincèrement que 90% de la population française n'a pas d'argent pour contribuer davantage à l'effort national? Et Michel ne peut pas me contredire. C'est l'une de ses marottes. Enfin, l'une de ses espoirs souvent déçus. Tout à fait. Donc, ça veut dire quoi? On est dans un pays où on dit toujours la même chose. Les riches. Or, on refuse bien évidemment de regarder la situation. 90% de la population française contribue à 25% des revenus de l'impôt sur le revenu. Bon, donc il y a un moment, il va falloir dire la vérité et dire... Laisse-moi finir, toi, je ne t'ai pas interrompu. Tout à fait. Or, ces chiffres-là ne peuvent pas être contestés. Ils ne sont pas contestables. Donc, normalement, la représentation nationale devrait dire, bon, les mecs, allons faire un petit effort quand même. C'est pas l'idée de dire que chaque personne, et là je suis d'accord avec Michel, doit payer de manière proportionnelle. Il est hors de question de faire ça. Plus tu gagnes, plus on ponctionne, c'est clair. Et ça, c'est ce qui doit arriver. Mais il n'est pas pensable d'avoir toujours le même discours. Allons essayer de changer de discours un tout petit peu. Alors je comprends que Gilbert et Michel ne puissent pas faire un basculement idéologique brutal, mais... Au moins, honnêtement, qu'ils puissent dire, attends, il y a un souci. Parce que eux appartiennent à la catégorie des gens qui ont payé des impôts toute leur vie. Parce que ce sont, un fonctionnaire des services de la répression des fraudes,
Excuse-moi. La concurrence. Oui. Aujourd'hui, c'est la même chose. La concurrence. Ne mélangeons pas les choses. Voilà. Mais aujourd'hui, non. Mais pourquoi les gens comprennent? J'allais finir. C'est à peu près la même chose. Ouais. Bon. Et un enseignant. Je te dirai après pourquoi. Ces gens ont été matraqués. C'est ça la réalité. Ont été matraqués toute leur vie. Je sais. Et tu le sais toi aussi. Ben oui. Bon. Alors, il y a un moment où, au moins, sur, par honnêteté intellectuelle, ils devraient dire bon, les mecs, c'est pas que nous. C'est pas que nous. Il faut pas que ça soit que nous. Il faut que, d'une manière ou d'une autre, même si c'est symbolique, tous les gens qui bénéficient d'une manière ou d'une autre de services publics et qui en plus ont un revenu, quel qu'il soit, contribuent, même de manière symbolique, à l'effort national. Voilà. Et ce discours-là, moi, j'aurais aimé l'entendre. J'aurais aimé l'entendre. Gilbert, qui avait déjà, et ensuite Olivier. Oui, mais je veux répondre très rapidement parce que. Il se bloque sur l'impôt sur le revenu. Or, les ressources de l'État, ça ne vient pas essentiellement de l'impôt sur le revenu. Même pas du c'est tout. Ça, même pas du tout. C'est bien que c'est d'abord la TVA. La TVA, oui. Et c'est là où c'est encore pire. Je veux dire que on fait payer aux classes populaires, aux plus pauvres, à la masse des gens, toutes sortes de taxes. Et ce que réclame le patronat en France, c'est de ne pas payer les taxes. De ne pas payer. Ils disent, mais oui, mais vous construisez des routes, etc. Faites des routes privées. Faites payer les autoroutes, puisque c'est nos impôts qui payent les routes. Et quand c'est les impôts, ce sont les entreprises qui payent. C'est-à-dire que on ne veut pas revoir la question des revenus, qui ne doit pas être seulement sur la question de l'impôt sur le revenu. Il y a même des pays qui ont décidé qu'ils vont supprimer l'impôt sur le revenu. Ils vont supprimer, d'ailleurs c'est même une revendication, supprimons l'impôt sur le revenu. Pour mettre quoi? Pour mettre des taxes sur toute la consommation, sur tout ce qu'on fait. Et c'est là toute la... Et donc il y a une malhonnêteté, enfin je ne trouve pas mon terme, mais le mot malhonnêteté n'est pas le meilleur, à faire croire que c'est l'impôt sur le revenu qui permet d'avoir le budget de la France. Ce n'est pas vrai. Ouais, et donc, les inégalités sur les questions des revenus, sur les questions de la consommation, c'est un système beaucoup plus important. D'ailleurs, ils le disent maintenant, ils ne parlent plus de l'impôt sur le revenu, ils parlent de la pression fiscale. Tout pour eux, c'est la pression fiscale. Par exemple, les travailleurs cotisent pour leur assurance, eh bien, ils disent oui, ça nous fait des charges sociales. Alors, c'est mon argent que j'ai cotisé, on me dit après que c'est des charges sociales. Hein, voilà, alors que c'est. Voilà. Olivier, oui, je voulais, et après Michel. Pour prolonger, en fait, contre l'idée introduite par Gilles Béant, moi, je considère qu'aujourd'hui, nous avons 6 parlementaires. Martiniquais qui sont autonomistes ou indépendantistes. Et j'ai l'impression, mais c'est le simple citoyen qui parle, hein, donc je n'ai pas toutes les informations. Notre pays a été géré depuis plus de 20 ans par des autonomistes ou des indépendantistes. Nous avons 6 parlementaires autonomistes ou indépendantistes. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réflexion sur la politique fiscale. Et aujourd'hui, Macron rentre comme dans du beurre avec ces mesures-là, parce que derrière, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de contre-proposition. Ah bon ? Il a dit impression. Voilà, j'ai l'impression. Et j'ai l'impression que... Tu ne veux pas nous laisser parler. Laissez-le parler. Et j'ai l'impression qu'on est un peu désarmés, quoi. Les parlementaires sont un peu désarmés. Ils disent, attention, ça va faire baisser la consommation et c'est très dangereux pour l'économie. Bon, c'est la seule réponse qui me paraît un peu faible au niveau argumentaire. Hein. Mais c'est le simple citoyen qui s'exprime. Mais non, tu n'es pas un simple... Mais non, tu ne peux pas me raconter d'histoire. Alors, tu n'es pas je n'ai pas terminé. Tu es un citoyen politique engagé. Je n'ai pas terminé. Tu ne peux pas me raconter d'histoire. Michel Brachy. Je n'ai pas terminé. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est la question d'évaluation des dispositifs fiscaux. Non, on écoute.
Vas-y Olivier, vas-y. Donc c'est l'évaluation des dispositifs fiscaux. Je parle de la TVA non perçue récupérable. Je parle de la défiscalisation. Je parle de l'abattement fiscal. À quel moment, qui a fait des études pour savoir ce que ça apportait en termes de création d'activité, en termes de création de richesse? Comment cette richesse-là était distribuée aujourd'hui dans l'économie martiniquaise? À ma connaissance, et selon mes limites, je ne crois pas qu'il y ait eu de réflexion dessus. Oui, et oui, donc, oui Olivier. Non. Il y en a eu. Donc, ce que je veux dire, c'est que on peut d'autant plus, Macron aura d'autant plus de facilité à remettre en cause ces dispositifs-là qu'ils n'ont pas été évalués et que, justement, leur bienfait n'a pas été démontré. C'est ce que je voulais dire. Oui, qui n'est pas, bon, que je ne vais pas rester longtemps, qui n'est pas été évalué, peut-être parce qu'on n'a pas la culture de l'évaluation, pas plus dans les... Parce qu'on n'a pas les éléments, tout simplement. C'est bien aussi qu'il les a. Mais qu'il n'y ait pas de réflexion... On peut les demander. Non, les évaluations... Non, les évaluations ont été faites, notamment par plusieurs organismes, notamment... Patronaux, oui. La FEDOM. Oui. Mais ah ouais. il faut le dire, sur des éléments objectifs. Par exemple, sur les créations d'emplois, entre 86 et 96, sur les 10 ans, le nombre d'emplois. Les organismes martiniquais qui ont dit combien on a embauché de gens. C'est simple, les entreprises ont embauché, en fait, ont créé 15 000 emplois. Okay. Donc c'est uniquement à travers le processus de défiscalisation. Bon, ça n'a pas été plus loin. Ils ont simplement évalué le nombre d'emplois créés. Ils ont évalué le nombre de logements construits, ils ont évalué l'impact sur le PIB, etc. Par contre, l'hypothèse d'un ruissellement, enfin, on peut penser que quand on crée 15 000 emplois en 10 ans, c'est-à-dire 1 500 emplois nets par an, ce qui nous est pas arrivé. Et qui sont liés directement à la défiscalisation. Au BTP, directement. En 86, entre 86 et 96, très objectivement, la Martinique a changé complètement. Je veux dire, pas forcément bien, mais en tout cas... Dans l'apport à l'économie directe en termes d'investissement, ce sont des sommes considérables qui ont été injectées du fait même de la défiscalisation, à tel point que, bon, tu es bien placé pour le savoir, les gouvernements successifs ont dit stop, quoi. Stop, parce qu'il y a des effets pervers manifestes. Je vous rappelle un chiffre, hein. Un mètre carré, zone du Robert, une zone que je connais bien, un mètre carré coûtait l'équivalent de 0,8 euros. Le mètre carré, aujourd'hui, dans la même zone, c'est 250 euros le mètre carré. Entre les années 80 et les années 2010. Donc, un type qui a investi dans 100 000 mètres carrés dans le coin, il est richissime. Et ça, c'est directement lié à la défiscalisation. Effet pervers majeur. Sur une île, c'est catastrophique. Et donc, pour revenir sur cette question d'évaluation-là, et aujourd'hui, donc, bon, la FEDOM a fait son étude qui, je pense, était plutôt favorable aux thèses qu'elle défend. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qui a choisi les éléments d'évaluation des politiques publiques? Et j'entendais donc Yann Monplaisir, pour le nommer, en début de semaine, qui disait oui, la Martinique va bien parce que on importe de plus en plus de conteneurs. Nous sommes d'accord. Et puis, j'entends donc aussi Catherine Conconne qui dit il faut absolument qu'on consomme de plus en plus. Mais je dis, mais quels sont les indicateurs, justement, d'une bonne vie? Quels sont les indicateurs d'une bonne économie? Est-ce que c'est quand on va importer un maximum de conteneurs et puis qu'on va consommer un maximum, qu'on va vraiment se diriger vers l'épanouissement et l'élévation de la conscience? C'est ça. Et je pose le problème de l'évaluation. Donc ça a été fait par si la FEDOM. Si on consomme la production donc, locale, c'est autre chose. Oui, hein. C'est autre chose. Il faut savoir de quelle production on parle. Mais voilà, c'est ça. C'est autre chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est la FEDOM qui a fait son évaluation, qui est une évaluation partielle. Et puis, au niveau de la TVA non perçue récupérable, est-ce qu'il y a eu une évaluation? Au niveau de l'abattement fiscal, est-ce qu'il y a eu une évaluation? Voilà, c'est souvent une question que je pose. Michel. Alors monsieur. Chose, ouais, monsieur Olivier Jean-Marie. M'excuse, mais. Simple citoyen. Simple citoyen réinvente l'eau chaude. Non, ce que je veux dire, c'est que ce qu'il oublie, c'est que en matière fiscale, les données sont détenues par l'État français. Et que même, si,
Moi, je suis avec beaucoup d'attention les travaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Eh bien, je ne vais pas prendre la défense de nos parlementaires, mais nos parlementaires, depuis beaucoup d'années, ont beaucoup de mal, notamment en matière d'évaluation, de la défiscalisation, d'obtenir des éléments objectifs. Alors, il y a différents rapports. Il y a des rapports de l'Inspection générale des finances sur la défiscalisation qui sont globalement négatifs, qui vont totalement en sens inverse de ce que dit Eddy, notamment, mais qui émanent des milieux patronaux. Bon. Et pourquoi ? Parce que la fiscalité, et c'est ce que disait Gilbert, la fiscalité au cœur de l'affrontement de classe. La fiscalité, s'il y a une question, et c'est pour ça que existe le secret fiscal. Maintenant, je veux quand même rassurer notre écrivain, c'est qu'il y a 15 jours, la délégation parlementaire. C'est qui les Outre-mer? Ah, c'est lui. Allons, il y en a plusieurs. Hein. Gilbert, ça a écrit en l'eau, bagaille. Moi aussi, passez-moi. Même si j'ai pas été publié, mais bon. Continue. Notre jeune écrivain. J'ai une dernière question à dire à cette question de la fiscalité. C'est que la délégation Outre-mer, et qui est présidé d'ailleurs par un député proche de En Marche, je crois que c'est Olivier Servat, de la Guadeloupe, a sorti donc nos parlementaires et tous ses camarades guadeloupéens l'ont mis au rang. On fait un travail d'évaluation différent de celui de l'Inspection générale des finances, différent de celui de la Cour des comptes, qui sont des évaluations, disons, d'idéologie néolibérale. À la base de ces évaluations, c'est le vieux mythe des danseuses de la France. Nous coûtons trop cher à la France. C'est ça qui est à la base. Derrière, un langage technocratique, un jargon technocratique, qui est utile, il nous faut, bien sûr. Mais la vérité, alors, le fond du problème... Le fond du problème, c'est que nous parlons simplement d'une mesure fiscale qui ne, d'ailleurs, c'est l'ensemble de la fiscalité qui devrait être revue, ici, aussi bien en France. Oh là, on parle nous ne parlons que d'une mesure ponctuelle pour quelques personnes. Pour quelques personnes. Bon, le jour où nous aurons la souveraineté, oui. Nous allons concevoir une fiscalité en nous inspirant de ce qui est fait dans les pays en voie de développement, parce que la fiscalité aussi doit être s'adapter au niveau de développement. Tu ne vas pas demander... Dis-moi un pays que je puisse aller faire des recherches. Je vais te parler de la Côte d'Ivoire. Bon, c'est que... La Côte d'Ivoire ne peut pas avoir un impôt déclaratif comme l'impôt sur le revenu, parce que une grande majorité de la population qui est illettrée. Donc, elle est obligée d'avoir une fiscalité indirecte et sur les importations. Et tous les pays en voie de développement... Les taxes. Mais qui, par nature, est une fiscalité injuste. Sauf que nous avons une fiscalité comme ça, sur l'octroi de mer. Donc, attends, Michel, excusez-moi, il fait encore de la provocation. Donc, tu me proposes un truc injuste. Non, je veux te dire que la fiscalité, ce n'est pas simplement un instrument. Elle doit tenir compte des caractéristiques historiques d'un pays à un moment donné. Très bien. Bon, on nous a appliqué un système qui est un système de pays avancé. Et comme les types se sont rendus compte à partir des années 50 que ça ne pouvait pas s'appliquer, eh bien, on a fait des dérogations. Et c'est la preuve que nous étions différents. Et maintenant, on veut nous enlever... Et notamment la TVA-NPR, la TVA-NPR dont il parle. Pourquoi il y a eu la TVA-NPR à un moment donné ? Alors, là aussi, il faut expliquer. La TVA-NPR, on calcule sur les biens importés, les biens d'équipement importés, le montant de la TVA qu'on aurait dû payer, 8,5% en moyenne. Bon. Et sur une liste de produits, on calcule cela. Celui qui l'achète ne paie pas la TVA,
et on lui rembourse le montant de la TVA. Donc c'est une aide à l'investissement. Bon. Et que cette liste qui a été établie en 1952 soit obsolète et qui a conduit à des effets pervers. Et un effet pervers connu, c'est le fait qu'on a, on a suréquipé la Martinique en camion. Ce qui fait qu'on a, on a régulièrement des crises dans le secteur des transports parce que les types sont trop nombreux et que le marché est restreint. Bon. Donc, que l'on revoie cette liste, mais que, et que l'on l'adapte aux nécessités du développement, mais que le principe, notamment pour les petites entreprises, d'aider à l'équipement des petites entreprises, soit purement et simplement, c'est 100 millions, 100 millions comme Macron, d'un seul coup, il enlève. Eh bien, ça, ça, c'est pas une mesure de développement. C'est une mesure purement et simplement, comme le dit Sylvain Joubert, d'économie, tout simplement. Et je termine là-dessus. Je termine là-dessus, j'ai beaucoup parlé, mais oui. Je termine là-dessus. Ce qui n'est pas acceptable, c'est parce que nous ne pouvons pas seulement nous raisonner en termes de classe. Nous avons aussi à faire passer une revendication nationale. Nationale. C'est qu'on fait payer par les habitants des départs d'outre-mer leur propre développement, alors que la France reconnaît que nous sommes en retard de développement. Et c'est ça, qui, dans la mesure concernant l'abattement fiscal, c'est à mon avis la critique la plus pertinente. Alors... Moi, ce que je voulais dire à Michel, Michel, n'attendons pas d'avoir la souveraineté pour pouvoir prolonger et pour pouvoir partager les réflexions en matière de fiscalité. C'est-à-dire que moi, j'invite tous les autonomistes, tous les indépendantistes à préciser leurs réflexions en termes de politique fiscale dans une Martinique autonome, dans une Martinique indépendante. C'est ça. Alors, l'année dernière, le président du conseil exécutif de la Martinique a présenté devant l'Assemblée des régions de France un certain nombre de propositions à caractère fiscal. Bien. Le Martinique bashing qui consiste à dire que nous sommes des ababas, qu'on ne fait aucune réflexion, non, qu'on ne fait rien, on ne va pas accepter ça. Il ne s'agit pas de dire non, ça. Non. Je dis, le simple citoyen que je suis aurait... Le simple citoyen que tu es est un homme politique. Aurait aimé avoir connaissance de ces réflexions-là. Ça a été publié. Et même avoir été associé à ces réflexions-là. Ça a été publié. Pas mal, Michel. Ça a été publié. Non, je n'aime pas les donneurs de leçons. Je n'aime pas les donneurs de leçons. Ce ne sont pas des leçons, ce ne sont pas des leçons. C'est différent, l'angle est... Oui, Gilbert. Sauf que l'émission va se terminer. On aura beaucoup. On a encore du temps, t'inquiète. Non, je crois avoir dit l'essentiel sur la question fiscale. Moi, je... Ok, oui. Oui, il faut quand même rappeler, on va passer quand même rappeler deux des autres chiffres. Sujets là de Macron. Macron nous oblige chef. À faire un focus sur un impôt qui pèse, voilà. Qui pèse que dalle, grosso modo. Hein, dans ces 100 et quelques millions, quand la TVA est à plus de 300 et quelques millions. On a déjà donné les chiffres plusieurs fois. Et en France, la TVA, c'est 700 milliards. Enfin, bon, c'est d'abord la TVA qui abonde les caisses de l'État. C'est pas l'impôt sur le revenu. Mais... En faisant ça, oui. il escamote le débat qu'on aura un jour sur la taxation locale. Exactement. Bon, vous savez que c'est un peu mon dada, mais je vais vous donner quand même les chiffres. Hein. Le taux de la taxe d'habitation en Martinique, c'est 28,40 en moyenne. Hein. En France, c'est 24. En métropole, entre guillemets, comme les appellent les gens de la FEDOM, donc dans l'Hexagone, 24%. La taxe sur le foncier bâti en France, oui. Oui, mais bon, on est français, les mecs. On va pas refaire le débat toutes les deux minutes. Mais c'est la France. En Martinique, le taux sur France, le foncier... La France, la Martinique, c'est la Martinique. Voilà. La taxe sur le foncier bâti, c'est 64% en Martinique, 44% dans l'Hexagone. La taxe sur le foncier non bâti, c'est 75% en moyenne contre 72%. La cotisation foncière des entreprises en Martinique, c'est 27% contre 31%. Okay. C'est le seul impôt, entre guillemets, local, sur lequel on charge moins les habitants. Donc, au-delà de l'impôt sur le revenu, qui touche qu'une toute petite partie, j'ai le chiffre officiel, le nombre de foyers imposables... 66 000. Non, 31% des foyers. C'est 66 000 et quelques... Eh ben, 31% des 31% foyers. 31%, oui. Bon, tu as vu, 70% des foyers ne sont pas imposables. Donc, en clair... La problématique, et Olivier a probablement raison, il faut rendre le débat public,
Tout à fait. Ce qu'il a oublié, en fait, peut-être, et c'est là que vous cognez, c'est qu'il faut rendre le débat public. C'est-à-dire, en clair, par exemple, il me semble évident que, donc on fait un appel à Michel, que la CTM puisse organiser une espèce de conférence. Sur conférence générale, publique, sur la problématique de la fiscalité, parce que Michel a raison, on est probablement, quand je dis « on », c'est les Outre-mer, on est probablement victime d'un scandale ahurissant que aucun, là par contre Olivier, aucun de nos parlementaires ne pose de manière récurrente et de manière fracassante, c'est le fait que nous payons notre développement. C'est-à-dire qu'en clair, et c'est pour ça que Catherine Cocon dit « les mecs, consommez s'il vous plaît ». Pourquoi elle dit « consommez s'il vous plaît » ? Parce que l'octroi de mer étant assis sur la consommation, plus on va consommer, plus les collectivités locales auront de l'octroi de mer et plus elles vont pouvoir se développer. Et c'est criminel. C'est criminel de penser, pas pour Catherine Cocon, elle ne fait que, comment dirais-je, s'appuyer sur un système qui existe. Ce qui est criminel, c'est que l'État français ait pu penser 5 minutes avec la complicité des politiques martiniquais de nous piéger comme ça, en nous disant, bon, les mecs, vous voulez baisser la consommation, vous voulez baisser les taxes, mais vous pétez votre budget communal. Mais dans le Doubs, il n'y a pas d'octroi de mer. Dans le Cantal, il n'y a pas d'octroi de mer. Il faut que nos parlementaires puissent dire à Macron, c'est fini. Nous ne pouvons pas réserver les sommes de notre consommation de produits importés à notre développement. C'est terminé. Or, il n'y en a aucun qui ose dire ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'ami personnel de Branchy, qui est Didier Laguerre, qui... Il n'est pas parlementaire. Non, mais il le porte. Tout à fait. Nous sommes d'accord. Oui, il le dit, mais il n'est pas parlementaire. Or, ce truc qui est purement fiscal. T'inquiète. Ce truc purement fiscal, pour être de dire, ben, on n'a pas besoin de réviser la Constitution pour changer ça. OK ? Si tous les parlementaires d'Outre-mer disaient définitivement, nous refusons que les budgets des collectivités locales soient alimentés par une taxe sur l'importation, tout à fait, ça réglerait tout de suite le problème. Nous en avions parlé avec Didier Laguerre. C'est là qu'il faut aller. Comme Edi a ouvert la porte de la Constitution, je reprends parce que j'ai entendu Macron ce matin à la résidence préfectorale. C'est ça, Didier. Oui, il a dit, il n'y a pas de problème, si vous voulez plus de différenciation avec des compétences simplifiées dans le cadre du 73, ça va pas te faire plaisir, mais il s'agit pour chaque collectivité de porter son projet. Et nous pas ni projet, frère. Il a dit ça. Nous pas ni projet. Et là, Olivier a raison. Pièce 10, c'est Bouga, pas ni pièce projet constitutionnel. Aucun. Bon, alors... Qu'est-ce qu'on fait? Je soulève un problème. Bon, alors, le droit à la différenciation, fondamental. Vois, il y a une espèce de cécité. J'oublie pour tes projet. Le droit à la différenciation. Et de surdité qui consiste à dire que nos responsables politiques sont... n'ont pas de projet, n'ont pas de vision, n'ont pas d'ambition, ne savent pas où ils vont, etc. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il dit bon, le que parti communiste. Chaque collectivité porte son projet. Nous n'y en sommes. Le Parti communiste, en ce qui concerne la question institutionnelle, a un projet. Oui, mais pas en collectivité. Bon, alors, bien. Fait adopter le projet du Parti communiste par la collectivité de Martinique. Le problème, c'est que aujourd'hui, nous sommes dans une collectivité unique dans le cadre de l'article 73. Le projet que nous avions porté a été rejeté dans des conditions que vous savez, par un parti qui se disait autonomiste. C'est reparti. Non mais aucun métier là. Bon, par conséquent... Vous me faites la leçon chaque semaine, donc je ne répondrai pas. Par conséquent, l'étape actuelle, en tout cas c'est ce que nous considérons, nous avons une collectivité, nous avons fait la moitié du chemin. C'est réunir, supprimer ce qui nous apparaissait une aberration, c'est-à-dire deux collectivités de plein exercice sur un territoire. Sur un seul territoire. Bon. Mais ce n'est pas une opération administrative simple que d'amener. Ça demande un travail difficile d'amener des personnels, des structures qui avaient l'habitude qui avaient des logiques différentes, etc. Bon, bref, ce qui compte, c'est au bout de ces 6 ans, que cette étape-là soit réussie pour que les Martiniquais aient envie d'aller plus loin. C'est ça.
C'est ça qui est important. Bon, maintenant, si entre-temps, le gouvernement discute, dit, par exemple, dans le cadre de l'article 73, par exemple, je vais revoir les conditions d'habilitation, je prends l'exemple, parce que c'est de ça que là, on va rentrer dans un débat un peu juridique, les conditions d'habilitation législative et réglementaire. Qui est une véritable usine à gaz. Alors, à l'heure actuelle. Oui, parce que ça dépend si c'est réglementaire ou juridique, c'est ou bien c'est le gouvernement qui décide, ou bien c'est l'Assemblée qui décide. En définitive, c'est le gouvernement qui décide. Oui. Bon, mais théoriquement, c'est l'un ou l'autre. Les élus disent, je vais prendre un exemple. Quand on prend la loi, c'est l'un ou l'autre. Qui s'est posé hier à la CACEM. Les élus constatent que la réglementation concernant le logement social est inadaptée. On sanctionne des collectivités pour la loi SRU parce qu'ils ne construisent pas assez de logements sociaux, alors que tout leur territoire est en zone rouge. Donc, tout leur territoire... Zone rouge, il faut expliquer aux téléspectateurs, rouge, donc inconstructible. Inconstructible. Et on pénalise la collectivité, on applique la loi. Et là, des maires bontins, bien assimilationnistes, disent, mais les lois françaises ne s'adaptent pas à nous. On n'a pas de pouvoir. Et mon ami Henri Michaud... qui est membre de ton parti, avec laquelle j'ai beaucoup d'affinité, a dit, mais nous gérons, mais nous n'avons pas de pouvoir. Et c'est tous les jours qu'on rencontre ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, si on voulait changer la loi, ce serait un battement. Il faudrait peut-être que les parlementaires montent au créneau. Non, il faut changer Olivier. La Constitution. Alors, sur la question de la Constitution, donc... Je vais dire des choses qui ne vont pas te plaire, Michel. Alors, je voudrais juste que tu les accueilles et puis que tu me répondes après. Je dis, pour une fois, alors, que ce n'est pas moi qui l'énerve. Et je t'invite donc à lire à la page 114 donc un texte que j'ai écrit donc dans Contribution citoyenne sur quels enseignements pour un citoyen ordinaire sur la consultation du 24 janvier 2010. Oui. En résumé, si vous voulez, moi je pense que c'est le point de vue d'un citoyen ordinaire. Mais citoyen ordinaire. Et donc, qui s'exprime sur des points de vue politiques. Ça le concerne. Et qui a des ambitions politiques. Excusez-moi, Gilbert, il n'aurait pas accepté d'être à l'Agora à Athènes à l'époque. Si un citoyen va nous voir, on va boussiner en quoi. C'est terrible. Donc, excuse-moi, mais. Non, mais il le taquait. Le citoyen. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Le débat, c'est le dialogue, comment? Mais bien sûr. Alors, laisse-le. On n'empêche pas de parler, moi. Donc, laisse le citoyen parler. Voici, pour résumer, le citoyen que je suis a un peu l'impression de s'être fait avoir dans cette affaire donc de consultation et de collectivité territoriale. C'est pas la faute de Michel. Non, mais pas du tout. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que j'ai signé un chèque en blanc donc à des politiciens et j'ai dit oui. Donc, et moi j'ai voté oui le 24 janvier 2010, j'ai dit oui, je veux une collectivité. Unique, qui va réunir les compétences des deux anciennes collectivités. Et en fait, et à partir de là, tout m'a échappé. C'est-à-dire que le mode d'élection m'a échappé, l'organisation m'a échappé. Et quand, pour aller vite, je vois comment ça se met en œuvre très difficilement, quand je vois que l'Assemblée aujourd'hui ne fonctionne pas correctement, je me dis que on a manqué une étape, et pour moi, l'étape qu'on a manquée, c'est l'étape de la participation citoyenne, parce que ce projet-là s'est fait dans le dos des citoyens, qui n'a jamais été consulté sur le mode de scrutin, sur l'organisation, et qui s'est retrouvé, en fait, compte à voter pour qui a acheté chat en sac, très clairement. Alors, tout ça pour dire à M. Macron et aux élus locaux que ça fait constitution, ça, là, que moi, à titre personnel, mon palais temps de parler dit ça avant que nous travaillions à sous un projet. Et que, pour moi, la Constitution, les amendements constitutionnels, les modifications constitutionnelles doivent être au service d'une vision et d'un projet. Donc, je veux d'abord le projet, la vision, je veux être associé en tant que citoyen à ça. Et après, à partir de ce projet, de cette vision partagée-là, on va déterminer les modifications statutaires. Voilà. Donc, il faut supprimer la démocratie représentative. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Ah, mais c'est ça. Ah, moi, c'est ce que j'ai compris. Il faut juste la compléter. C'est juste ce que j'ai compris. Parce qu'elle n'est pas parfaite et je pense qu'elle est perfectible. Ce que je peux, à mon noble avis, conseiller, c'est qu'on ne se comporte pas dans tous les sens. Non, on est sur la Constitution. Oui, non, mais ta question est simple. C'est est-ce que nous avons ici en Martinique des partis ou des parlementaires ou des associations
qui ont un projet dans le cadre de la révision constitutionnelle qui va avoir lieu. OK ? La réponse, elle est non. D'accord ? En Guadeloupe, oui. En Guyane, oui. À La Réunion, oui. C'est ça le problème. C'est que Macron, il dit, les Réunionnais, par exemple, ils disent... Attends, oui, oui. Est-ce qu'il y a... Non, il demande aux collectivités. Non, les collectivités, mais un parlementaire peut avoir un projet. Des parlementaires peuvent se regrouper en disant, monsieur, dans la Constitution, il faut mettre telle ou telle ligne. Et c'est possible, sur proposition de parlementaires, le président peut écouter. Je donne un exemple. Les parlementaires réunionnais ont dit, il y a une espèce de fou furieux à l'époque qui s'appelait Virapoulé. Il a mis dans la Constitution française que les réunionnais ne pourront jamais plus être consultés sur leur avenir. Est-ce que, monsieur le président, vous pouvez enlever ça? Il n'y a pas de problème, on va l'enlever. Okay. Voilà ce qu'on appelle un projet. Alors, c'est un projet rikiki, mais c'est un projet, nous. Ça va plus loin. Oui, non, mais pour que les gens comprennent, voilà, c'est ça une idée. Une idée pour changer, à changer dans la Constitution. Nous, par exemple, qu'est-ce qu'on aurait pu proposer? Mais aucun parlementaire ne réfléchit à ça. Les mecs s'en foutent complètement. Michel a raison. Michel dit, attendez, prenons les habilitations. Qu'est-ce que tu en sais, Lady? Mais je te dis, puisqu'on les écoute, on leur pose la question, chaque fois... Il détourne la question. Non, moi, non, j'ai eu l'occasion de leur poser la question en face à face. Attends, Michel. Je leur ai posé. Quand même. Non, je leur ai posé. Comme c'est moi qui mène l'émission, je ne peux pas répondre. Serge, c'est ça le problème. Je les ai interviewés l'année dernière, tous. Et okay. Alors, c'était l'année dernière. Non, mais attends, hey, frère, on n'est pas très loin. Quand tu as un projet, tu le développes. Pas obligatoirement. Ce n'est pas en 6 mois qu'on a trouvé un projet. Bon, bref. Alors, je te donne un exemple. Michel, un exemple de projet. Michel a déjà dit qu'il va me défendre. Non, Michel a raison. Quand il dit sur les habilitations, on a un problème. On a une problématique qui est très simple. Pour qu'une habilitation soit définitivement donnée à la Martinique, aujourd'hui, dans les textes... Un an et demi. Non, écoute. Il faut un an et demi pour qu'on y arrive. Il faut qu'elle soit élargie à l'ensemble du territoire français. Non, tu parlais de l'expérimentation. L'expérimentation, pardon. C'est pas la même chose. L'expérimentation. OK. Bon, d'accord. Et une expérimentation, c'est un peu plus... on va dire, spécifique qu'une habilitation. C'est même mieux, c'est le prélude à une loi locale. OK ? Aujourd'hui, si on a des choses qui sont... Mais tu ne peux expérimenter que si tu as le droit. Non, mais attends. Si tu es habilité. Non, mais attends. Imaginons que nous expérimentions quelque chose. Pour que nous gardions ça, cette chose qui pourrait faire du bien, il faut que ça soit élargi à l'ensemble du territoire français. Macron propose, il le dit, il écrit, les mecs, si vous voulez... Si vous le voulez, je peux transformer ça. Au lieu de dire, on l'élargit, eh ben, au bout d'un moment, on vous le donne à vous seulement. Eh ben, tu n'as pas un seul parlementaire qui se soit levé pour dire, chiche. On expérimente et lorsque ça marche, on le garde pour la Martinique seulement. Alors, pas Nyon. Alors, tu vois, par exemple, on aurait pu penser que les mecs auraient, oui, peut-être non, un parti politique, mais pas qu'ils viennent nous le dire, qu'ils viennent nous dire, eh ben, chiche. Par exemple, là, ils l'ont eu ce matin. S'ils avaient dit chiche, Macron serait sorti sur le perron en disant eh bien, la Martinique a un projet, l'expérimentation ne sera pas généralisée, elle sera spécifique. Voilà. Eh bien, on aurait gagné, Michel aurait gagné du temps sur l'énergie, sur le transport, sur la pêche, tout ça. Il était qu'à exploiter de nouveaux bagailles, il était gagné, et il était gagné dans le 74 sans le savoir. Ah ouais. Mais bien sûr. Michel. Non, alors, je voudrais quand même. Ce que j'ai dit est faux. Alors, je voudrais sur un point quand même rectifier pour que... il est bon que les... J'ai déjà dit tout à l'heure que je ne suis pas pour le Martinique bashing. Mais oui. Le Parti progressiste martiniquais à Saint-Joseph, je crois. À Rivière-Blanche. À Rivière-Blanche, a adopté une déclaration où toutes ces questions-là sont... Alors, ce que je lui reproche à ce parti, c'est que quand... C'est pas grave. Quand Latimi a, par contre, fait une intervention à l'Assemblée nationale, il a enlevé la partie la plus avancée de ses propositions. OK ? Bon. Mais néanmoins, bon, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que la délégation outre-mer s'est emparée de cette question. C'est récent, ça date de... Elle a publié un rapport. Elle a entendu, d'ailleurs, des constitutionnalistes. À l'initiative des Guadeloupéens. Hein. Tout à fait. Non, mais, vous savez, je suis très mal à l'aise dans cette discussion. Je dis pourquoi je suis très mal à l'aise. Parce qu'il y a ce que vous voyez
Et puis il y a le travail que le parlementaire fait et qui ne dit pas. Ouais. Point. Eh ben, final. Ou qu'on ne dit pas. Non, que le parlementaire ne dit pas. Non, ce qu'on lui demande. Il n'a pas à dire tout ce qu'il fait. Mais ce qu'on lui demande. Ouais. Ah bon? Il n'a pas à dire. Non, pourquoi? Quand il est en négociation, quand il négocie des choses, quand il fait des choses, il n'a pas à le dire. Il n'a pas à le dire, bon. Y compris à la population, à tout ce que tu veux. Il n'a pas à le dire, puisqu'il négocie. C'est une opinion. C'est ça. En tout cas, je voulais terminer. Parce que s'il met sur la place publique et que ça ne marche pas, eh ben, c'est embêtant. Tandis qu'en négociant... Je voulais simplement terminer. C'est tout. Cette délégation outre-mer, voilà. il se trouve que... Il ne faut pas être au pays des bisounours. Elle s'est contentée, dans le rapport, de recenser les positions des différents territoires. Mais comme... Les positions des Guadeloupéens. Les positions des Guadeloupéens, c'est largement... Entre eux-mêmes, les Guadeloupéens ne sont pas d'accord. Il y en a qui sont partisans du maintien des deux assemblées, et d'autres qui sont pour une collectivité unique. Tout à fait. OK ? Bon. Et en ce qui concerne la Martinique, les parlementaires ne sont pas nécessairement d'accord. Mais néanmoins, cette question... D'accord, c'est quoi ? Hein ? Ils ne sont pas d'accord sur quoi ? Alors, ils ne sont pas d'accord. Bon, certains pensent qu'il faut passer carrément au 74. Mais oui. Et d'autres pensent que il faut ce que propose... Enfin, en gros, la démarche qu'on propose est dit, c'est d'aller le plus loin possible. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a l'entrée de la rue et il faut aller jusqu'au mur. Bon, moi je n'ai pas de position dogmatique là-dessus en matière... Ça me fait plaisir, Michel. En matière institutionnelle. Ah, ça, c'est bien. En matière institutionnelle, je crois que nous devons faire avancer l'idée de responsabilité au fur et à mesure que la conscience nationale martiniquaise progresse. Il va nous dire Il va finir à dans même partie. Hein. Et oui, Gilbert est bien silencieux. Oui, je suis très silencieux sur ça parce que ni... L'article 73 dit l'article 74, c'est pas ma tasse de thé. Et pour l'un et pour l'autre. Qu'il y ait eu, à travers toutes les luttes qui ont été menées depuis 60 ans, aux Antilles, un progrès de l'idée de la responsabilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les parlementaires se disent autonomistes ou indépendantistes, ou que la majorité des municipalités soit de gauche. Ce qui prouve bien qu'il y a eu un changement important. Je rappelle ça peut-être pour les plus jeunes, en tous les cas, ne serait-ce que pour Olivier. Tu sais, jusqu'en 81, quand tu disais que tu étais de gauche, ah ouais. Tu étais bastonné. Ah, oui. Quand tu disais que tu étais de gauche, comme étudiant, tu n'obtenais pas de bourse. On a bien souffert de ça, n'est-ce pas ? Tu n'obtenais pas de bourse. Ah, oui. Tu n'obtenais même pas les prêts du Conseil général. On te l'interdisait. On ne te le donnait pas. Donc, ça n'a rien à voir aujourd'hui. Donc, il y a un progrès. Mais moi, la question de l'article 73 ou 74, qui sont un recul du gouvernement français face à la population, ce n'est pas ça qui va régler les problèmes de responsabilité. Parce qu'on reste dans la Constitution française, parce qu'on reste sous la demeure de l'Assemblée nationale française et du Sénat. Tu peux prendre tout ce que tu veux comme décision, si l'Assemblée nationale française vote contre, tu auras le problème. Par exemple, je prends un petit détail, ne serait-ce que sur la question fiscale. Les types ne vont même pas réfléchir. Dans les DOM, ils ont 30% d'abattement. Eh ben, l'Assemblée nationale française va voter ça. Hein. Ils s'en foutent que les 6 parlementaires martiniquais et les 6 guyanais s'y ajoutent et que les 8 réunionnais s'y ajoutent et que les 4... Réunionnais se mettent, même quand tout ça, ça te fait le groupe des départements d'outre-mer, ça fait quoi ? Ça fait 35 personnes sur 577. Et ils vont voter ça. Il n'y a pas de problème, parce que pour eux, ce qu'on appelle les éléments de langage vont passer. C'est-à-dire, c'est une mesure fiscale. Eh bien, voilà pourquoi
moi, sur la question du 73 et 74, ou sur laquelle je ne m'oppose pas. Je n'ai pas fait une espèce de barrage pour dire voter pour le 73 ou le 74, c'est trahir la nation martiniquaise. Mais je reprends une formule Boichy, ces questions institutionnelles-là nous mènent, nous trompent. Ce n'est pas ça le problème de la responsabilité. Oui, oui, moi, je partage. C'est extrêmement important. Non, non, je partage. Olivier, je partage ce point de vue-là. Oui, juste sur la question de la démocratie représentative, hein, par rapport à ce que tu évoquais. Je me disais aussi. Et juste pour. Là, j'ai les chiffres, hein, donc des élections législatives de 2017. Et pour vous dire que, par exemple, Josette Manin représente 15% des inscrits. Bruno Nestor Azéro, 17% des inscrits, Serge Letchimy, 23%, et Jean-Philippe Nilor, 18% des inscrits. Pour être plus précis, ça c'est ce que représente le nombre de voix qu'ils ont obtenu au deuxième tour. Au deuxième tour, oui, sur donc, la totalité des inscrits. Michel, tout ça. Noter que Letchimy, c'est quand même 23%. Tout ça pour dire, non mais tout ça pour dire, non mais tout ça pour dire que il dans dirige, un contexte, il dans un contexte, mais oui, tout il à s'est fait. Glissé. Dans un contexte, mais c'est bien. Donc d'abstention, de méfiance. L'élu a intérêt à associer de plus en plus le citoyen. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas tout dire tout le temps et à tout moment. Mais je pense qu'il faut peut-être aussi changer de posture, notamment, et travailler plus dans la collaboration que dans la délégation. Voilà. Il y a un vrai débat qu'on ne va pas faire là, parce que je pourrais parler des associations, je pourrais parler des syndicats, je pourrais parler d'un certain nombre de structures où il n'y a personne, ou si peu. Gilbert a parlé en ouverture de 200, oui. À peine 200 personnes convoquées par plusieurs syndicats. Il faut trouver d'autres formes. Ce matin, il faut trouver d'autres formes. Bon, eh bien, puisqu'il le fait, on prend un moment avec lui. Il a fait grand l'esprit. Comme on est aujourd'hui, jeudi soir, on peut le dire, l'émission est diffusée le vendredi, un hertzien. Et au moment où l'émission sera... Mais elle est là, elle est en direct sur Facebook. Elle est en direct sur Facebook. Au moment où l'émission sera à l'antenne, Olivier Jean-Marie sera à la bibliothèque Chelcher où il sera en train de présenter ce livre. Alors moi, la seule question que j'ai, plaidoyer pour une Martinique collaborative et positive, je ne fais pas exprès, est-ce que ça veut dire qu'actuellement la Martinique n'est ni collaborative ni positive? Disons que je pense que... C'est presque Martinique, une question de journaliste. Oui, la Martinique a de gros progrès à faire dans ces domaines-là, et il ne s'agit pas de parler donc de Martinique bashing et de dire que tout va mal, au contraire, justement, on est dans une logique positive de dire, bon, ben, à partir de notre trajectoire historique, qui est quelquefois douloureuse, comment justement on peut relever les défis qui s'imposent à nous, et est-ce qu'on peut le faire de façon un peu différente par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à présent, où on a délégué nos pouvoirs donc à une personne, à quelqu'un qui avait un certain charisme et qu'on chargeait de régler nos difficultés. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'on donne du sens à une action Qu'est-ce collective? Que tu appelles je suis d'accord avec ce que tu dis, mais j'aurais aimé le concret dedans. Pour redonner du sens, c'est quoi de façon les choses concrètes, oui. Ben, je prends encore la consultation de 2010 sur qui est consécutive à la crise sociale de 2009, on l'oublie souvent, mais que c'était une des réponses du gouvernement après les États généraux, et j'aurais aimé que cette consultation-là fasse l'objet d'une large concertation et qu'elle ne soit pas captée uniquement par le personnel politique, mais que la population soit associée justement à ces questions-là. Par exemple. Est-ce que c'est capté par le personnel politique Oui, que c'est le personnel politique. J'entends, tu l'as dit. Ouais. Que, moi, je suis d'accord sur ce que c'est que avoir une politique collaborative. Mais moi, je veux voir les mesures. Moi, par exemple, je suis pour que on puisse, une partie des électeurs, 15-20% des électeurs, peuvent dire, bon, on déchoit monsieur un tel. Oui, la révocation. Tel truc, oui, qu'on leur évoque. Mmh. Ça, pour moi, ça fait partie. Je suis pour que, quand il y a ce qu'on appelle, on appelait ça les fameuses réunions participatives, que ces réunions participatives, par exemple, sur le budget d'une ville, ou sur le budget d'une collectivité, eh bien, qu'il y ait des gens, des représentants qui puissent être entendus. Et qu'on, je veux donc voir toute une série de mesures
pas seulement dire que, bon, les gars ont capté, etc. Bon, souvent, les gars captent parce qu'ils sont là. Moi, je regarde ça, y compris dans les syndicats et les associations. Vous avez une réunion syndicale, le groupe, etc. Vous venez là, on est une quinzaine, on veut soi-disant que personne... domine, m'ont dit, bon, toi, Gilbert, comme tu sais faire le trac, eh bien, c'est toi qui le fais. Bon, et puis tu vas nous le soumettre. Donc, je veux dire que, mine de rien... Ça fait longtemps que y a qu'à faire ça. Hein, mais oui, nous, mais ça veut dire... Ça, fait aussi, Gilbert, mais ça veut dire que, mine de rien, on accorde une certaine... au lieu d'organiser quelque chose. Une véritable collaboration. Il manque de ce discours-là, malheureusement. On a déjà eu l'occasion de débattre, notamment lors des élections municipales, lors des élections législatives, où des mouvements citoyens, et Michel a raison, participent au combat électoral. Ce qui manque dans ce discours-là, c'est le préalable à ça. Le préalable, c'est la formation des hommes. Or, malheureusement, bon, Olivier, lui, l'écrit, mais Olivier, là, je ne sais pas lui faire un jour de lui dire qu'il est tout seul, quoi. Mais non, il est tout seul à Non, laissez-moi finir ma phrase. Il est tout seul à écrire ça, à écrire et à le dire. Les partis ou les groupes politiques qui défendent ces idées devraient l'exprimer. On parlait tout à l'heure de, ils sont pas obligés de le dire. Oui, il faut le dire, l'exprimer en disant, nous n'arriverons à une véritable démocratie participative que si nous établissons un processus d'éducation et de formation des citoyens. Malheureusement, ce n'est pas dans les doctrines en cours, c'est même pas dans les projets. Alors, c'est pour ça qu'il l'écrit, il le dit, mais c'est le préalable. Or, quand tu les entends, quand ils viennent à la télé dire « Oui, il faudrait que les citoyens, machin », tu rigoles un coup, quoi, parce que tu dis « Mais madame ou monsieur, on ne va pas donner aux citoyens de trucs s'il n'est pas formé. » Et la réponse qui nous a été faite, notamment au moment des élections législatives, « Mais il aura le temps, une fois, quand il sera aux affaires, il aura le temps de se former. » Mais non, il faut arrêter les bêtises. Le type, et Gilbert a raison, comme le type, il sait faire un tract, il sait parler, il connaît le truc, c'est lui qui aura le pouvoir, clairement, et c'est lui qui va diriger, forcément. Il faut éduquer la population à la chose publique. Bon, alors, Olivier, puis après je Michel. Je veux juste deux choses. À Heidi, j'écris page 110. J'ai dit que tu l'écris. Oui, tout à fait. C'est pour partager. La page 110. Et c'est en gras, comme la Bible. Cependant, il est illusoire de croire que les habitants sont spontanément capables de compréhension, de réaction critique et d'invention, sans formation, sans pratique du débat. Voilà. Bon, merci beaucoup. Sur la question pratique que soulève Gilbert, parce qu'il m'a souvent été justement objecté que c'était du théorique, que c'était même du bisounours, que c'était... Voilà. Oui, j'ai dit ça. Tu n'es pas le premier, tu n'es pas le dernier. Non, je n'ai pas dit ça. Dans ce livre-là, Sortir de la pyramide hiérarchique, justement, je montre comment, dans l'entreprise, dans l'organisation, dans l'association ou dans la cité, il existe donc des dispositifs, des organisations justement pour éviter justement le phénomène que tu as décrit, Gilbert. Donc il ne s'agit pas seulement de parler, il s'agit aussi de mettre en œuvre de façon très très pratique. Et donc c'est écrit ici. Alors fais attention parce qu'il y en a beaucoup qui sont inspirés du modèle communiste. Je peux même te dire que quand dans mon ancien travail, quand j'étais chef d'établissement, on faisait même des stages pour apprendre à être en haut. Oui. Le leadership. L'établissement, parce qu'il y a plusieurs postures quand tu es chef. Je voulais rassurer Michel en disant que Michel, tu devrais laisser avec attention parce qu'il y a beaucoup de trucs de ça qui sont inspirés du modèle communiste. Et attends. Gilbert, qui est très taquin, me dit non, tu n'aurais pas dû dire communiste, mais stalinien. Bon, la parole est à Michel Brochet. Pas du tout. Voilà. Quand j'écoute ce que dit Olivier Jean-Marie, j'ai l'impression de revenir à l'Union des étudiants communistes.
Eh oui. Continue. Mais je veux dire par là que... Formation du peuple, etc. Nous, à l'époque, nous brocardions ce qu'on appelait la démocratie formelle et bourgeoise. C'est-à-dire les formes. Et nous disions que la démocratie réelle, c'était précisément le fait d'éduquer le peuple pour qu'il soit en mesure de prendre position. Et que le rôle d'un parti, c'est à la fois d'apporter des solutions, mais en tenant compte de l'état et du niveau de la conscience des gens. Par conséquent, on ne peut pas lancer des idées comme ça sans tenir compte de... Nous avons à côté de nous un historien de l'historicité. L'historicité, l'état de la société, l'état de la conscience collective martiniquaise telle qu'elle est aujourd'hui. Des gens disent « je suis citoyen, je suis un parti citoyen ». Ils viennent aux élections, ils font 1% des voix. Non, pas 1%. Bon. Pas 1%. Dans certaines communes. Bon. Alors, vous comprenez, bon, et après, ils viennent nous dire... Et Michel, je ne veux plus être méchant sur le discours du Parti communiste. Mais je n'irai pas sur ce terrain-là, Michel. Un tel ne représente que 23% des inscrits. Mais oui, c'est l'état de la situation en Martinique. Oui. Ouais. Mais oui, bon, et la personne n'empêche les gens d'aller voter. La plupart des courants politiques se présentent aux dernières élections territoriales. Toutes les nuances de la pensée politique martiniquaise étaient présentes. Par conséquent, on ne peut pas dire que les Martiniquais n'ont pas eu le choix. Et les élections régionales précédentes, il y avait encore plus de listes. Là, j'en avais à peu près une dizaine. La fois précédente, j'en avais 13. Bon, donc, ça reflète l'état de la situation démocratique en Martinique. Ben, nous sommes d'accord, monsieur. Nous sommes d'accord, monsieur. Le GRS n'était pas candidat. Il manquait le GRS. Il manquait le GRS. Juste pour faire la liaison avec Gilbert, bon, c'est juste pour parler. J'ai parlé en ouverture de la production Révolution socialiste que vous avez au GRS en digital, si tu veux en dire deux mots, pour dire que cette semaine, il y a deux sujets principaux, la CTM et l'accueil des syndicats et des travailleurs, bon, l'épisode de la CDMT qui était en congrès. C'était oui, parce juste que pour dire moi, un petit mot sur ça. C'est quand même deux événements politiques extrêmement importants. Bon, la réunion quand même d'un syndicat qui capte, qui a la deuxième place hein, aux élections générales syndicales, ça me semble extrêmement important. J'ai vu qu'on ne les a pas interviewés du tout. On n'a même pas parlé de ça. On parle justice en a parlé. Oui, mais j'ai pas encore lu. Oui. Mais, oui, vas-y. Donc, moi, Zamba est important, plus un syndicat qui a renouvelé ses cadres. Beaucoup de... Bon, Philippe Hirschel n'est plus secrétaire général. Oui, les général, chez les retraités. Alors, Non, c'est toujours un groupe de personnes de secrétariat. Oui, tu penses. Ensuite, ils ont fait monter des jeunes. Quoi, qu'est-ce qu'il dit ? Non, il dit. Bon. Il est un peu dubitatif. Il est dubitatif sur le nombre de oui, des directions collectives. Parce qu'en général, au bout de certain temps, il y a un type qui domine. Ouais. Oui, peut-être. Mais oui, c'est ce qu'on dit. Sans organisation, oui. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ça peut arriver. Mais ça me paraît important. Bon, la question de la CTM me paraît extrêmement importante. Moi, je ne comprends pas qu'on ne reçoive pas des salariés. Même quand alors là, j'ai lu par contre l'article de Michel, parce que je voulais être bien sûr qu'il... qu'il soit contre toutes tes idées. Qu'il avait expliqué oui. Cela. Que les gens qui ont fait grève soient PPM, en admettant qu'ils soient, voilà, 40 PPM, licenciés qui viennent... Ah, pas licenciés. Non renouvelés. Oui. Pas licenciés. Non renouvelés. Non renouvelés. Ça, c'est ma déguisé, mais bon. Oui, mais pour moi... Parce qu'on emploie des gens. Pour moi... Je pense qu'on va glisser, là. Non, c'est bien pour ça. Je sens qu'on va glisser. On laisse Gilbert parler, puis on passe à autre chose. Oui. Bon. Moi, je trouve que, même s'ils étaient, d'ailleurs, qu'ils étaient départementalistes, socialistes, communistes, etc., ils demandent à être reçus, ont droit à les recevoir. Moi, ça me paraît fondamental. Ça me paraît fondamental, d'autant plus que, politiquement,
Ici, nous avons mené des batailles pour que les assemblées reçoivent la population. Nous avons mené ces batailles contre les gars de droite. Nous avons mené ces batailles quand Émile Maurice l'avait supprimé pendant des années. Il faut les entendre. Ils ont peut-être tort. Eh bien, vous leur démontrez qu'ils ont tort. Vous voyez, je prends toutes mes précautions. Ils ont peut-être tort. Ils disent, ils revendiquent des âneries. J'ai connu ça. J'ai été directeur d'un établissement universitaire. J'ai eu quelquefois des gens qui sont venus me proposer des revendications, entre guillemets, que je jugeais complètement stupides. Mais je les recevais. Je les entendais. Ils me faisaient perdre mon temps. Des fois, j'ai mené des discussions jusqu'à 2h ou 3h du matin où un gars qui, par exemple, refusait de fermer les portes de l'établissement le soir parce qu'il était fâché avec une autre dame dans le magasin et le syndicat était venu pour le défendre. Au point que... Donc, je connais. Mais j'estime qu'il n'y a pas à faire ça. Alors, sur ça, je ne suis absolument pas d'accord sur cette position. Okay. Et ils ont eu raison, en tous les cas. Je ne sais pas comment la majorité a obtenu, qui a voté, qui n'a pas voté, d'entendre les gens, d'autant plus que, alors là, par contre, quand j'ai entendu ce que disait la dame, puisque ça a été répété sur les trucs, elle pleurait, enfin, elles étaient deux à pleurer, etc. C'était beaucoup plus touchant. Ça ne veut pas dire qu'on... Alors maintenant, sur la question, l'autre question que tu abordes, tu dis qu'ils n'ont pas été licenciés. Mais moi, je connais ce truc-là aussi, dans la loi française. On a créé ce qu'on appelle les contractuels. Il n'y a rien de pire et de plus grave que ça. Ce qui est une trappe. On prend quelqu'un pour 10 mois. On le licencie pendant 2 mois. Et on le reprend. Et quand on le reprend, et on le refait une deuxième année, et on le refait une troisième année, on a peur d'aller plus loin parce que si cette personne va à 7 années, vous êtes obligé, de le CDIiser. Donc, la gravité de ce truc-là, c'est d'accepter cela. Moi, je trouve qu'on ne doit pas accepter ça. Nous devons, nous battre, les gens de gauche, pour que précise ce que tu veux dire. Nous ne devons pas accepter quoi? Le principe des contractuels. Oui, je suis d'accord avec toi. On n'en rediscute pas. On voulait avoir l'avis de Gilbert, parce que c'est le sujet de son... Il aborde le fond du problème. Excuse-moi. Nous devions refuser cela. Bon, on n'a pas tous les moyens, c'est une loi française, etc. et tout, c'est une loi du 73 qui va exister, dans le 74 aussi, je dis ça aussi en passant. Mais non, parce que souvent j'entends Michel, que je connais bien depuis longtemps, même si il dit oui, on voulait le 74 et ils l'ont pas voulu. Alors surtout un certain parti autonomiste. Bon, mais moi, on n'aurait pas dû accepter ça. Tout comme les contrats aidés, tout comme ces choses-là. Alors, il y a un dernier argument, et puis je finis. Le dernier argument que j'ai entendu, alors heureusement, je n'ai pas entendu les responsables de la CDM le dire. Ou bien peut-être que j'entends mal. Mais j'ai entendu les partisans de la collectivité. Ils disent, ah oui, mais c'était rien qui progressiste. À présent, nous commettons pour nous. Ils ont fait 3 ans. À présent, nous commettons à nous. J'ai dit que... Écoute bien ce que je dis. Ah ouais. Moi, j'ai entendu ça. J'ai entendu et j'ai lu surtout sur Facebook parce que je lis avec beaucoup d'attention les... Eddie. Quelquefois signent. Je ne parle pas de ceux qui ne signent pas. Mais les gens signent. Je finis. J'ai lu des choses comme ça, effectivement. J'ai lu ça. Ouais. Je dis qu'on n'a pas à défendre ça. Bon, voilà. Ouais. Rapidement. Est-ce qu'on peut aborder un sujet climatique?
Rapidement, oui, c'était prévu. Parce que tous les 15 jours... Tous les météo bousculé, a bousculé les programmes prévus, mais à moins de polémique oui, cette alors, fois. Oui, alors, j'ai été interpellé par quelqu'un qui me disait, ouais, mais bon, qu'est-ce que vous proposez? Vous dites que le processus d'alerte est déficient. Enfin, bon, les gens qui étaient concernés nous ont eux-mêmes dit à l'antenne que, ouais, c'était pas bon, puisque, effectivement, tu peux pas interdire aux enfants d'aller à l'école et puis autoriser les parents à aller braver les éventuelles arrivées de cyclones. Parce que si eux sont bloqués... C'est ce qu'on fait aujourd'hui, là. Oui, voilà, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Bon. Moi j'ai une proposition, puisque j'ai été interpellé. J'ai une proposition, c'est de dire la chose suivante. De définir un moment à l'approche d'un cyclone, sur un plan purement, on va dire, kilométrique, de dire, voilà, si le cœur d'un truc arrive dans une zone précise, on arrête tout. Qui passait à côté, à gauche ou à droite, ou en mi-temps? C'est entre la voilà. Barbade et Saint-Lucie. Voilà, si mal arrivé, mettons, il y a 300 kilomètres. Voilà, en haut et en bas, hein, ouais. On va dire ça. Il rentre dans une zone qu'on définit. Il rentre dans une zone, on arrête tout. Comme ça, le préfet ne pourra jamais être tenu pour responsable si jamais le truc est en haut ou au plein milieu. Et ça existe dans les îles du Nord, les îles américaines ou Porto Rico. Ils ont défini à Barbade. Ils ont défini. Barbade n'a pas arrêté. Voilà, et la Dominique n'a pas arrêté. Voilà, ils définissent la une zone. La Dominique n'a pas arrêté. Et une zone géographique. Et si le truc rentre dans la zone géographique, c'est fini. Comme ça, on n'a plus de problème. On en reparle parce que peut-être qu'il y a une idiote. La Dominique est entrée en alerte, je ne sais pas quoi, à 13h aujourd'hui. Rouge. Ou à 13h ou à 14h. Tu permets que je dise vite parce que. Un mot. Puisque tu parles des réseaux sociaux, je ne vais pas aborder le. Je reviens un petit peu en arrière sur le problème qui a été évoqué. J'ai été vilipendé sur les réseaux sociaux. On a dit que je suis sorti pour ne pas voter. Alors je profite de l'antenne. Comme tu as 100 000 personnes devant toi, tu peux y aller. Oui. Donc, on peut ne pas apprécier ma position. Mais j'ai assumé mes responsabilités d'élu. J'ai voté sur la question posée par le président Lise. Faut-il ou non recevoir la délégation? Et j'ai écouté religieusement la délégation. Voilà. Maintenant, je donne mes raisons dans justice. Bien. Tu es resté là? Ah, je suis resté là. On a dit que tu es dans notre journal, on a dit que tu es parti. Il va falloir corriger. Mais non, mais je corrige 100 000 personnes. Les comme sujets. Mon journal est vu. Ah, moi aussi. Heureusement, tu m'as donné l'occasion. Parce que les gens qui étaient là l'ont vu partir. Je crois même que j'ai une photo. De la même manière que je signe. Pour que ça soit plus clair, donc, quel a été ton vote? J'ai voté contre, parce que je considère que c'était une opération politicienne et que d'autre part, on pouvait recevoir cette délégation dans d'autres... Le président, par exemple, de l'Assemblée pouvait très bien, avec une délégation, mais le fait de faire pression sur des élus, la prochaine fois, ce seront les taxicaux. Ou le Front National. Non, mais j'ai entendu que ton président a dit qu'il va plus... On a dit qu'on ne revient pas dessus. Comment? Bon. Sur les sujets auxquels vous avez échappé. Parce que j'ai le canard, je faisais ça. J'adorais ça. Alors, vous avez échappé, parce que l'heure est arrivée, vous avez échappé à Éric Zemmour. Est-ce que ça en vaut la peine? Vous avez échappé à... Valls, maire à Barcelone. Ah ouais. Oui. Hein, il ne le sera pas, heureusement. Vous avez échappé, parce que, mais on en parle depuis longtemps, au numerus clausus, mais bon. Oui, ça concerne beaucoup. Et puis, j'étais avec une jeune dame qui s'appelle Nadia Chonville, qui m'en a parlé mardi, et aujourd'hui, je ne sais plus qui publie ça, drogue et alcool chez les jeunes dans les Outre-mer, consommation inférieure à la France hexagonale. Oui. Dans tous les cas de figure. Oui. Donc, il faudra qu'on revienne dessus. Non, c'est juste de pousser. Oui. Et puis la dernière chose. C'est la progression. Et puis la dernière chose, on n'a pas le temps, je lance, mais on verra la prochaine fois. Aujourd'hui, en fin d'après-midi, la commission langue régionale des régions de France, c'est un tweet de Gilles Simeoni, le président de l'Assemblée de Corse. Donc, la commission des langues régionales des régions de France se prononce en faveur de la co-officialité dans les territoires qui en font la demande. Oui, mais je précise, des langues. Mais c'est une commission. À mon avis, c'est une proposition qui sera faite au gouvernement. Donc ça. Oui, d'accord, mais c'est des propositions qui ont toujours été faites. Non, mais moi j'en parle parce que je connais. Mais je veux te dire que ils sont très contents en Corse parce que c'est la première fois qu'on les a écoutés. Oui, mais de fait. Attends.
non seulement de fait béninien, mais de fait, la langue française est dite, c'est la langue officielle, un point c'est tout. Ouais. Sauf que, depuis, et je le répète tout le temps, et les gens ne veulent pas entendre, lorsque en 1990, Jospin est devenu ministre de l'Éducation nationale et qu'il a créé ce qu'il appelait les IUFM, on m'avait proposé d'être dans ces premiers IUFM, donc j'étais dans les réunions préparatoires. Une des conditions que je lui avais posées, j'ai dit ça au moins 50 fois, mais les gens ne veulent pas entendre, c'est qu'on puisse enseigner le créole à l'IUFM. Et il avait dit oui. Il avait accepté. La loi n'a été votée qu'en 2002, mais depuis 1991, on enseignait le créole à l'IUFM. Tout comme ça existait déjà en Tahiti pour les Tahitiens et pour les Corses. Okay. Donc, de fait, alors, cela existe. Dans le temps, il est passé. Pour pouvoir instaurer la co-officialité, en nous terminer par en créole. Bon, eh bien, nous avons fini, parce que pour finir, c'est l'agent créole. Grand chien, grand l'esprit, Olivier, Ernest Jean-Marie, bon, dans toutes les bonnes librairies, c'est bon, comme ça. Bonsoir, tout le monde. On t'a fait une bonne pub. On se voit tout à l'heure. Bonsoir à tous. Merci Gilbert, merci Olivier. Bon, Michel et Eddy, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Merci beaucoup. Je sais pas, je crois qu'avec c'est avec une dame en tout cas, mais c'est Mano sera là peut-être en fait, parce que il prend un gros voyage. Bonsoir à tous. À bientôt. Dame. C'est pour faire l'invité, ça une dame. L'invité, ah bon, dame. Parce que là, cinq boucles dans les terres. C'est madame là qui pose des plaintes contre nous. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. À la semaine prochaine. Tu nous fais cadeau de ces.